discipline est destinée au duel à 1 contre 1. Votre adversaire pourra être Asmodien ou Élyséen. Vous recevez des points à chaque fois que vous abattez votre adversaire. Et le premier à atteindre l'objectif de points remporte le combat. Le combat est divisé en 3 manches. Et vous ne souffrirez pas de maladie de l'âme en cas de mort. Si personne n'atteint l'objectif, le Deva qui aura le plus de points à la fin des 3 manches sera désigné gagnant. Les Deva peuvent s'affronter pour la suprématie dans l'arène du chaos. Vous n'aurez pas d'alliés. Il s'agit d'une mêlée générale. Obtenez des points à chaque fois que vous triomphez d'un adversaire. Le premier à atteindre l'objectif de points sera désigné gagnant. Le combat est divisé en 3 manches. Et vous ne souffrirez pas de maladie de l'âme en cas de mort. Si personne n'atteint l'objectif, le Deva qui aura le plus de points à la fin des 3 manches sera désigné gagnant. J'espère que tout est bien clair. Appliquez le règlement de l'arène de la coopération. Les équipes qui se combattent mutuellement sont formées dans l'arène. Battez l'équipe ennemie pour augmenter vos points. Participez à nouveau au combat sans pénalité de résurrection. N'oubliez pas, dans cette arène, ayez la bonne tactique et l'esprit d'équipe. Seuls les plus solidaires et les plus prévoyants gagneront.